aujourd'hui pour rencontrer les étudiants, pour prendre un premier contact et surtout partager notre connaissance de l'entreprise et faire naître en eux l'envie d'intégrer la famille Accence. Donc aujourd'hui, on est là pour rencontrer les différents étudiants et principalement aussi recruter nos futurs talents qui sont, on l'espère, au sein de cette école, on n'a pas de doute. Les jeunes d'IFP School sont complètement formés finalement pour accéder à des postes compatibles avec l'activité d'Arkema. Donc on tient très fortement à ce partenariat avec cette école. Alors l'IFP School, c'est une formation qui est tournée vers les industries, vers les enjeux de demain également, les mêmes enjeux sur lesquels nous sommes présents chez Vulcain. Et donc c'est très intéressant de ce point de vue. C'est une formation, je pense, qui s'adapte bien aux besoins de nos jours, qui évoluent, qui proposent des programmes qui sont adaptés aux besoins du futur, avec des ingénieurs qui sont très complets. Avec l'IFP School, la première dimension, ça a été la dimension de l'international. Moi, c'est ce que j'ai vu, c'est ce qui m'a frappé tout de suite. Les élèves autour de nous sont un petit peu du monde entier. Les professeurs peuvent être aussi de nationalités différentes. Et à travers nos apprentissages, les cadres d'études, plus les voyages que l'on a fait, c'est clairement imbriqué qu'on est placé sous le signe de l'international. On est très content lorsque nous, Perenco, nous employons des élèves qui sont passés justement par l'IFP, qui est une formation de qualité. Parce qu'on est une entreprise qui peut recruter dans différents types de classes, avec évidemment le programme PEPD, enfin anciennement DEG, qui est certainement plus représenté, mais d'autres profils également qui peuvent être intéressants pour nous, qu'on pourrait recruter dans le futur. Que l'IFP School doit se trouver face à un certain nombre de challenges, comme ceux auxquels fait face, je dirais, la compagnie, avec des métiers qui changent, donc une évolution à envisager vers des énergies nouvelles, tout en n'oubliant pas effectivement nos métiers de cœur, qui restent pour nous, pour le moment, le moyen de financer cette transition énergétique. Et donc c'est important de maintenir aussi cette expertise et cette connaissance à travers des formations comme l'IFP School. Recherche des talents pour recruter chez Petroéneos et Ineos, notamment des jeunes diplômés avec de l'expérience, parce que l'IFP School permet de donner une première expérience aux jeunes ingénieurs. Nous recrutons également des apprentis, parce que pour nous, c'est un pré-recrutement, donc ça permet de tester sur le savoir-être, le savoir-faire. Des rencontres intéressantes, donc je peux voir des jeunes profils assez énergie et marché qui cherchent à mieux connaître ce que fait Technip Énergie, voir quelles sont les positions. J'ai été un peu surpris aussi de voir des profils plus expérimentés qui sont assez intéressants. Ce sont le genre de profils qui nous intéressent, avec un background engineering parfois multiple et divers. Une multiculturalité, une diversité qui nous intéresse chez Subsea7, c'est vraiment au cœur de nos valeurs et c'est typiquement avec ce genre de talent qu'on veut collaborer dans le futur. Effectivement, on a une tendance à prendre des apprentis parce qu'on estime que c'est des très bons profils, extrêmement opérationnels, qui s'adaptent très vite, qui ont une connaissance, excellente connaissance technique. Les profils qui sortent de l'IFP School sont vraiment des gens qu'on recherche. Les qualités techniques et humaines sont vraiment au top. Donc c'est une filière qui est très importante pour nous et on va continuer à recruter des alternants chaque année. La journée s'est très très bien passée. On a pu rencontrer de nombreux candidats qui étaient très intéressants et qui étaient très intéressés aussi. On compte tout de suite que la formation de l'IFP School permet à ces candidats de venir nous voir avec les bonnes questions et avec les bonnes intentions. Un bilan très positif avec la présence et la venue du personnel enseignant venant nous poser des questions et nous aidant à la recherche de candidats.